Comment redorer l'image de la commune de Boumbou, longtemps ternie par plusieurs maux? Tel est l'objectif de l'ASBL Télémissa Boumbou, initiative de Merlin Kamalandoua. Ses fils maison a échangé avec les habitants du quartier Mongala. Il a cependant profité de l'occasion pour sensibiliser sur l'importance de l'enrôlement et avant lui-même d'accomplir ses devoirs civiques. C'est un accueil plus que délirant que la population du quartier Mongala, dans la commune de Boumbou, a réservé à son digne fils, Merlin Mey Kamalandoua, l'homme du changement, venu s'entretenir avec sa base. Écoutez la vision de l'ASBL Télémissa Boumbou, exposée par son président. Et de temps à autre, il y a Boumbou. Mais j'étais parmi les seuls. Sa commune en Boumbou, le Koumou. Une vision claire, nette et limpide pour le développement de la commune de Boumbou, vivement saluée par l'assistance. Un véritable échange citoyen entre un leader et sa base, une base qui n'a pas hésité à adhérer à la vision de Télémissa Boumbou. Cet entretien a donné à ce natif de Boumbou une idée nette sur ce qu'il faut faire pour que cette commune retrouve sa dignité. Juste après cet échange citoyen, une marée humaine a accompagné Merlin Mey Kamalandoua au complexe scolaire Foukis pour remplir son devoir civique. Reçu par le président de ce centre, le président de Télémissa Boumbou, accompagné par sa tendre épouse Laetitia Lemba Kamalandoua, ont été conduits au bureau d'enrôlement pour obtenir leur carte d'électeur. Cette marée humaine qui a accompagné Merlin Mey Kamalandoua témoigne combien la commune de Boumbou a besoin de se choisir cette fois-ci ses vrais représentants.